Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on reprend après une semaine d'absence en stream, on reprend la bagarre sur Heroes 3. Alors, je vais baisser un tout petit peu ma lumière qui est éblouissante. Voilà, ça devrait aller. J'espère que vous allez bien. C'est très très cool de se retrouver ici pour du Heroes à nouveau. Je vais remettre la petite musique qui va bien. Et en plus contre Barba. Alors Barba, la dernière fois, on l'avait affronté. J'avais hésité à uploader les VOD parce que on a fait trois parties consécutives où il s'est pas passé grand-chose, à vrai dire. Enfin, c'est surtout qu'en fait, c'est pas qu'il s'est pas passé grand-chose, c'était intéressant à regarder, je pense. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu d'affrontement final, quoi. Donc il y a une petite frustration de pas se taper dessus à la fin. On va essayer de se faire ça ce soir. Donc sur du Jebus Outcast, de nouveau, avec la même config que la dernière fois. Et du coup, j'en profite pour saluer tout le monde. Alors salut Captain à nouveau, salut Millie et salut Baba. Ouais, j'ai beaucoup de lumière. Je vais voir si. C'est pas mieux comme ça. Vous me direz, je vais profiter quand même du soleil. Et bien écoutez, je pense que sans trop d'intro, on va commencer la partie. On va faire le trade avec lui. Je vais voir s'il est dispo. Alors attendez, tac. Donc on est en. Ouais, c'est ça, 5 minutes, 1 minute 10 et 30 secondes. Je pense que c'est pas mal. Et let's go, hein. C'est la musique de Songs of Conquest, si je ne m'abuse, en waiting screen. Ouais, tout à fait, c'est ça. Je l'ai laissé, ça fait quelques mois maintenant, il faudra que je change un petit peu. Ok, et bah il est prêt. On va générer le couple de factions. C'est parti. Donc on a tour et on a donjon. Ah, c'est marrant, ça refait un peu comme la dernière fois. C'est exactement le même couple que la dernière fois. Hein. Excellent. Ah si c'est à refaire, moi je reprends tour, hein. Y a pas de problème. Cette fois, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ouais, je suis d'accord. Bah je l'ai eu sur une des trois parties. Les deux autres, on les a gagnés. Mais effectivement, sur une des trois, j'ai attaqué des yeux là. C'était pas judicieux. Ouais. Bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on va attaquer à 2000, hein. Moi, ouais, ça me va, hein, ça, comme affrontement. Je vous avoue qu'en fait, je pense que Donjon a moyen d'être plus fort que Tour. Mais c'est beaucoup plus technique sur JO au niveau des ressources. J'ai tendance à privilégier Tour. Moi, je suis vachement à l'aise avec Tour. Quitte à mettre un peu de sous pour l'avoir. Faut voir, on va quand même se donner une limite, mais je pense que 3K, c'est le max. C'est le max que j'ai envie de mettre. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place. 28. Là, je pense que je vais mettre 3K, et puis s'il monte, je pense qu'on va s'arrêter, hein. Il va faire plus. Ah, il va faire plus. Voilà. Donc là, déjà, on a notre faction, mais on a dépensé beaucoup de sous. Et ensuite, on va voir si on peut pas se choper la couleur avec. C'est d'avance qui c'est d'avance que je vais prendre tour, forcément. Et il joue Dimmer. Ok, donc 3002. Parfait. Franchement, ça me va, hein. Je trouve que c'est vraiment acceptable. On va prendre l'or. Euh, 3200, hein. Donc là. Attendez. C'est moins 3200 pour moi. Et plus 3200 pour lui. Yes! Et bah, let's go!
Il est rouillé apparemment. Faut qu'on en profite là. Enfin bon, je suis tout aussi rouillé que lui parce que bon, la dernière fois que j'ai joué, c'était contre lui donc. Pour le simulateur. Simterm. Tu mets au moins 2 mois. J'ai mis quoi? Attends, j'ai mis quoi? J'ai mis 2-1-1. Ça marche, à tout de suite, Captain. Go lui mettre une fessée. Good, yes, et ben c'est parti. Est-ce que j'ai rien oublié? Enfin, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tac, 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 tac. C'est parti. Allez, on va se... Ah! What? Ah oui, alors je pense que je sais pourquoi. C'est pour ça, je pense. Ok, allez, c'est parti. Bon, on va essayer vraiment de se focaliser là pour essayer de pas faire d'erreur. On va être plus prudent que les fois dernières. Et gagner du timer aussi au début de partie. C'est ça qui m'intéresse. Ok, alors. Donc là, effectivement, on n'a pas trop de visibilité. On a un truc de génie. On a de quoi en avoir ici de la visibilité, donc on va peut-être pas prendre l'observatoire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre ça. Ici, on va prendre le Town Hall. Ensuite, on va s'améliorer ça, clairement. Et voilà, hein. Et c'est parti. Alors là, clairement, nous, on veut avoir la visibilité. Donc on va aller là tout de suite, à mon avis. Alors, est-ce qu'on la garde cette partie? Il y a des belles boxes faciles à prendre. Ouais, je pense qu'on la garde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup. Il y a deux trucs de génie, trois trucs de génie. Un truc de géant. Il y a des mages ici. Il y a des mages là aussi qui sont pas bien gardés. Ah ouais, non, je pense qu'on est bien là. Elles me plaisent bien les boxes, on voit là en fait. Merde! Ah, c'est dommage. Là, je la sentais bien. Ah, c'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sentait bon quand même, cette histoire. Ah, il veut pas restart? Si, c'est bon. Ça sentait bon, c'est dommage. Bon, faut espérer qu'on ait autant de chance la prochaine fois. Ah, il y avait des belles boxes dès le départ, là. Ouah, le jeu, il... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le jeu, il s'est devenu fou. Ok, il y a une box avec des nomades, mais elle est pas très accessible. Il y a des mages ici. On voit pas grand-chose. On voit vraiment pas grand-chose, là, pour le coup. Je pense qu'on va en prendre ça direct. Alors voyons. Y a des gnolls de partout. Des trucs de mage. Ah, il y a des lampes, hein. Il y a des lampes. Il y a des box pas trop dures à prendre. Il y a des génies. Ah, oh, je pense qu'elle est jouable, celle-là. Elle est un peu plus dure que l'autre, je pense. Parce que c'est moins dans les. Près des routes. Je vois pas la mine d'or aussi. Je pense qu'on la garde. Elle va pas être aussi simple que celle qu'on a vue au début, mais je pense que ça se fait. Ok, alors on va essayer d'être... Et salut Alf, comment tu vas? On va essayer d'être efficace. Allez, c'est parti pour un Town Hall. Bim bam. Dommage pour moi. Eh bah écoute, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Altar of Wishes, ça clairement, on veut se le faire très tôt. Ce qu'on va faire, c'est... Y a quoi là? Y a rien, rien du tout là. On peut faire l'aller-retour, je pense. On va chercher ça, on revient. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On prend juste ça. Ici, on prend rien et on se casse. Ah ouais, mais on a ça qui gêne là.
Ah, j'aurais dû prendre des troupes, je vais pas. Vous savez quoi? Je vais juste faire un tour à vide pour prendre de l'or, etc. Là, prendre de l'or ici. Voilà. Et après, on va récupérer cette lampe ici. On descend par là et on récupère ça ensuite. Je pense, tant pis. Ce serait un tour un peu à vide. Mais c'était pour avoir l'observatoire direct pour savoir si on voulait garder la map. Bien, et toi? Eh bah, écoute, merci de poser la question. Ça va super. Franchement, je suis hyper. Ça va hyper bien en ce moment, je suis très très motivé, très content de reprendre un peu les streams parce que passer une semaine sans stream, j'ai besoin de ma dose. Mais très très cool de vous retrouver, d'autant qu'il y aura les vacances bientôt, donc malheureusement pendant un moment je ne serai pas dispo pour vous streamer des parties. Ok, c'est parti. Donc là on va se prendre ça en amélioré. Bim, paf. Est-ce qu'on se prend ça tout de suite? Est-ce qu'on a besoin de faire ça là? Ça coûte 1000. Ouais, je pense qu'on va les prendre. On sait jamais ce qu'on va avoir comme combat derrière. Là, à mon avis, on veut tout de suite faire ça. Comme ça, on se prend tout de suite les génies là et on rentre dans la partie là. Allez, c'est parti. Ok. Tac, tac, tac. Là, on va clairement faire ça. 13. Si on wait, ça fait quoi? Pas grand chose. Là, j'ai flèche pleine. Huit. Yes. Et là, on se fait 3600. Alors, par contre, il faut qu'on ait de l'or. Sorti de là. On va aller chercher ça, je pense. C'est pas ça, parfait. Et ensuite, on descend chercher le reste. On va chercher ça. Ça, c'est vraiment bien gardé. Je pense qu'on va aller par là. Alors, la question, c'est vers quoi on veut aller? On veut aller vers ça. Donc, il nous faut la Golem Factory. Je sais pas s'il y a besoin tout de suite du City Hall. Je pense qu'on va foncer, vers nos génies. Là. On va essayer de tout de suite avoir un gros stack de génies vénères. Super, je me disais aussi que c'était un peu calme en ce moment. Bah, il y avait la, tu sais, la grosse semaine, il y a 2 semaines, j'ai fait une grosse semaine de stream comme j'ai jamais fait. J'ai dû enchaîner, je sais pas, franchement, facilement 8 ou 9 streams dans la même semaine. Mais celle d'après, donc la dernière, je n'ai rien fait du tout, ouais. Donc ouais, c'est assez variable. Donjon Dimmer, ouais, ça joue Donjon Dimmer en face. Et ouais, on sait que Dimmer, faut s'en méfier. S'en méfier. Bah là, on va pouvoir grave avancer sur la map. Hein. 190. Alors, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de. Ça, je vais peut-être pas le prendre tout de suite. Avancer là. Ouais, pas nécessaire de prendre ça, c'est pas très grave. On va se faire ce combat ici. What? Tu perds deux génies là-dessus? C'est hyper bizarre. Quarante-deux vont jouer juste après. Ça, je crois qu'on est obligé de battre les gardes. On va peut-être pas le faire, ça me paraît un peu. 5-9 naga, ça me paraît un peu tôt. Par contre, on peut faire ça, pile poil. On garde les génies pour aller vite. La taverne, il nous faut du bois. Le bois, on peut le choper juste là. On se fait une petite taverne ici. Pif paf. Ah, mais attendez, j'ai interverti les deux à cause de l'ordre des villes. Je vais mettre cette ville-là en haut. Ah, chier. Du coup, je me suis trompé de ville. J'ai acheté le Golem Factory ici. Ça,
C'est pas une bonne opération. Bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on veut snowball sur les génies, donc on voudra le faire sur les deux, mais bon, c'était pas voulu au départ. Ça, c'est très chiant quand vous avez... Petite astuce, je sais pas si vous savez. Et du coup, vous avez une liste de héros et une liste de villes. Et ce qui est chiant, c'est que des fois, par exemple, pour les villes, quand vous avez deux fois une ville de la même faction, bah, vous pouvez vous tromper, en fait, entre les deux. Et donc, si vous cliquez sur une icône de ville ou de héros avec Alt, ça remet cette ville-là ou ce héros-là en haut de la liste. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que ma ville principale, en fait, je la mets en haut pour être sûr de ne pas me tromper. Et là, j'ai oublié de le faire. Héros, Milly. Héros. Ok. Ça, on pourra se le prendre plus tard. Il y a un Cloud Temple ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut prioriser? C'est ça le truc. Je pense qu'on veut choper ça très vite. Les 20 démons vont faire mal, mais on peut prendre ça. Il nous faut du bois aussi. Il nous faut du bois. Là, on n'a pas de bois forcément. On en a ici, mais ça va faire un détour pour aller le chercher. Oups. Ouais, donc je pense que le bois, on va peut-être y aller par là en fait, hein. Peut-être y aller par là. Ou alors on va ici quoi. Je sais pas, je me tâte. Je pense que le bois est trop important là pour le zapper. Je pense qu'on va aller ici d'abord. Attention de bien prendre l'armée par contre. Ou alors on va tout de suite prendre les génies là, on flague les génies. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bois par ici? Et le bois qui est là en fait ensuite. On peut pas faire le tour par là, c'est très chiant. Ah non, mais on va chercher le bois tout de suite. On va chercher le bois, on fait demi-tour, on prend les génies là. Ok, donc ici, il nous faut ça. Il nous faut un peu de tout. Il nous faut un peu de tout. Bon, alors attendez, parce que ouais, il nous faut pas mal de ressources. Hein. Faudra pas faire le con. Il nous faut surtout des gemmes. Les gemmes, j'ai pas vu où ce qu'il y en a. Il y en a ici, mais il faut trouver une mine de gemmes assez vite. Il y a des lutins là aussi. Donc ça, clairement, on veut le prendre. 16 de bois, ça nous fait rentrer dans la partie, c'est bien. Maintenant, la question, c'est vers où on va. Je pense qu'il faut prioriser ce côté-là, parce que c'est là où il y a tous les génies. On va faire ça. Golem Factory. Et là, il nous manque quoi pour l'acheter ici? 2500. Il nous manque des gemmes. Des gemmes et des cristaux. Est-ce que les cristaux, on en a sur le chemin? J'en vois pas trop. Hein. Ah, ils sont là, les cristaux. Attends, est-ce que je peux en prendre sur le chemin, là? Parce que là, on est jour 6 déjà. Faut pas traîner, hein. Choper ça. Les cristaux sont là, mais ça fait un détour de ouf. J'aimerais bien choper les deux ici avant la fin de la semaine, en fait. Ce sera idéal. Golem Factory, donc ça on prend. Est-ce qu'on a le temps de passer par là? Je suis pas sûr. Hein. Ça va être un peu chaud. Je pense qu'on va sécuriser. Prendre ça. En plus, la pierre, il nous la faut assez vite. Comment tu fais pour perdre un génie là-dessus? C'est un truc de ouf. Donc 5-6 génies, ça par contre, ça risque de faire mal.
Sauf si on... On peut les prendre si on fait un Chain Lightning. Attends, on a de quoi, on est d'accord, on a de quoi. Ah putain, ça se trouve que j'ai été gourmand là. Ça se trouve que j'ai été gourmand. Du coup, si on fait ça, on en tue deux. Ok. Là, on peut tout de suite en tuer deux. Ça passe. Leadership, on en gagne un petit peu. Oh, c'était chaud, j'ai eu un peu peur là. Mais ça passe. Du coup, ici, on peut prendre nos génies, parfait. Ça se passe plutôt bien, honnêtement, hein. Franchement, là. Bon, jour 7. Alors là, faut optimiser notre petit jour 7. Il faut clairement un peu de pierre. On n'est pas obligé de prendre la mine tout de suite parce que le but, ça va être de récupérer ça d'abord. Merde, c'est gardé comment là? Enfin, j'y accède comment à ce truc? Merde, c'est trop bien gardé. C'est trop bien gardé, quoique, ouais. On pourrait y aller, je pense qu'on pourrait y aller juste après, quoi. Mais là, c'est trop chaud. On va prendre ça. Est-ce qu'on peut flaguer les mages avant la fin là? Comment êtes-vous? Secouons-nous les mains. Salut Velmoon, comment tu vas? Ouais. On est bon. Ah, c'est bon, on peut les prendre. On peut les prendre, c'est parfait. Est-ce qu'on a envie de tout de suite le faire? Telle est la question. Je pense qu'on va plutôt se prendre une citadelle là. Genre si on se prend une citadelle ici. Ça aurait été bien de prendre ça, mais bon. Il nous manque combien? Il nous manque trop de trucs. Hein. On peut pas, là, y a rien autour qui nous permet de le prendre. Parce que je pense que le... Ah, quoique. Ah, quoique, si on prend un marketplace. Si on prend un marketplace ici, là. Y a pas moyen, là? Si je fais ça. Ah, je... non, ça va coûter trop cher. Ça a coûté trop cher. Bon, tant pis. Tant pis. On va faire autre chose. On va plutôt faire ça, du coup. Faire une citadelle. C'est pas perdu, la citadelle. Hey, salut, Balek! Ouais, mais il y a du monde ce soir, là. Bah, écoute, tranquille. Et toi? Ça se passe, cette partie? Je viens juste d'arriver. Bah, écoute, on vient juste de commencer. Mais, ouais. Là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai eu un peu peur. J'ai fait un combat ou deux qui était un peu tendu. Mais tu vois, on est début de semaine 2, on a déjà des génies et tout, donc ça se passe plutôt pas mal. Je vais essayer d'en profiter et de snowball un petit peu. Comment ça va par ici? Bah écoute, ça va super, Balek. Les vacances sont pas loin. On profite du temps qui nous reste pour faire des streams et faire quelques petites parties contrôle Barba. Risque d'enchaînement Ifrit demeure, je trouve, avec avec peu de dégâts sur le chain lightning. Surtout que là, je pouvais plus en faire. Hein. Donc t'as eu raison, je pense que c'était pas valable. Yes! Allez, c'est parti. Ça, c'est pareil, on pourra se le faire assez vite. Je sais juste pas comment y aller. Ah, faut faire tout le tour. Faut faire tout le tour. Donc, ici, ce qu'on peut faire clairement, c'est ça. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut tout de suite. Parce que là, il va nous falloir des. Maintenant, il nous faut de la pierre, il nous faut des cristaux. Ça, on va pouvoir se le choper aussi. Ça, faudra à la fin de la semaine, il faut.
Ça aussi, ouais, y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. On va faire ça. Est-ce qu'on passe ici? Je pense que oui, ne serait-ce que pour récupérer eux, là. Tac. On les récupère, eux, les génies. Je pense qu'on va s'en passer pour l'instant, quoique. Est-ce qu'on peut s'en prendre? On s'en prend un. Allez, vas-y. Je pense qu'avec ça, déjà, on fait un peu le ménage. Là, il faut absolument récupérer ça. Tac. Mais comment tu fais? Arrête de perdre des génies là-dessus, de duo. Ok. Ça, c'est bon. Clac. Marketplace, peut-être pas tout de suite. Hein. Il faudra peut-être prendre le CTO là après. Je réfléchis, mais je pense que pour l'instant, on a besoin du bois pour autre chose, donc on va pas le faire. Ici, je vérifie, mais je crois qu'on avait acheté déjà le Town Hall. On va s'arrêter là. J'essaie de récupérer un peu de timer, je suis très lent là. Je suis très très lent. Ça va peut-être me mettre dans la mouise plus tard. Je vais pas rester, je dois préparer le mien. Je voulais te faire un coucou, ça marche? Bah tout à l'heure alors, je vais peut-être te tout à l'heure. Très bon live à toi, Balak. L'IA doit envoyer des génies frontline en mode grosse bagarre. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, c'est relou. Enfin, ce qui est chiant, c'est que du coup, le jeu nous pousse à faire des combats comme ça qui sont un peu débiles, qu'on peut résoudre très facilement. Il faudra trouver un moyen d'améliorer l'IA pour qu'on n'ait pas besoin de faire ça. Parce que franchement, juste tu joues deux tours et en fait, t'as aucune perte. Je trouve ça un petit peu dommage. 50,99, ça on peut se la faire direct. 11, je sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux. On va voir, mais je pense que je peux pas faire beaucoup mieux. Là, faut que je fasse un wake là aussi. Et là, j'avance. Ok, on en a perdu 6, donc c'est cool. Air Magic, clairement. Clairement. Ah! 110 Gremlins. Là, c'est oui. C'est oui. Ok, donc on a des... Ah, par contre, ça, c'est relou. On a des Nyx. On a des Nyx qui gardent tout ça. Ça, je pense qu'on va se le refaire au retour. En attendant, on va plutôt rentrer à la maison. On va prendre cette mine-là. Tac, ici, on fait rien. En fait, ce serait bien de pouvoir acheter ça, là. Il nous faut absolument des ressources pour le faire. Et pour faire ça, il va nous falloir cette mine qui est juste là en bas. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir faire ça dans la même... en même temps. Pour faire plein d'objectifs en même temps, là. On fait ça, ça. Donc, pour récupérer 3 génies. Ça, on pourra se le faire juste après. Clairement, on va se récupérer ces génies. Là, on est lent à cause des Gremlins. On peut pas faire beaucoup mieux, malheureusement. Ressources silo, hein. J'en suis à me demander si je vais pas faire ça pour avoir du bois et de la pierre. Comme ça nous évite un détour pour aller chercher la scierie en haut. Une IA capable de faire ça, c'est extrêmement dur à coder. Ouais, j'imagine, même s'ils l'ont quand même amélioré, tu vois. J'imagine que ça doit être chaud, ouais. Alors attendez, 2 petites secondes, je vais régler la lumière. Je fais une petite pause. Ah, marche pas. Ça devrait être un peu mieux là quand même. C'est toujours un peu flamboyant, mais bon. C'est pas grave. Où il faut utiliser du deep learning pour ce genre de choses.
Après, je pense que ce qui est compliqué avec ce genre de jeu qui est joué depuis des années, si tu veux, c'est que les bons joueurs, ils se servent des problèmes de l'IA. En fait, enfin, j'avais déjà vu des échanges sur le Discord, c'est qu'ils pourraient améliorer l'IA. Le problème, c'est que c'est la même IA qui est utilisée pour les ennemis et l'IA qui est utilisée pour simuler les batailles. Du coup, ben, si tu améliores l'un, tu améliores l'autre. Et ça rend le jeu complètement différent en fait. Parce que les gens se sont habitués à une IA en particulier. Et du coup, les joueurs de haut niveau jouent très très vite grâce à ça en prenant en compte comment on va jouer l'IA. Et si demain tu leur dis, bah maintenant l'IA joue différemment, bah voilà quoi. Faut qu'ils réapprennent le jeu, etc. Donc je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ça. Et salut Rico, tu vas bien? Mais dans ce cas-là, elle jouerait mieux que toi. Oui, et clairement, clairement. Faudrait pouvoir choisir des scripts, prio attaque, unité. Ça, c'est bien vrai, surtout au niveau du pathfinding pendant les combats. Ouais, il y a énormément de tricks qui sont utilisés pour profiter de l'IA, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. Hein. Ah, on a ça aussi pas loin, là, qu'on peut choper. On a une box qui doit être super bien, honnêtement. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on améliore ça. Clairement, on prend ça. Et là maintenant, il faut absolument qu'on vise. Donc, on prend le marketplace pour avoir un meilleur taux de change. Et il faut absolument qu'on vise ce qui nous permet d'acheter la suite, c'est-à-dire les cristaux. Donc là, on va se faire cette box-là, qui, je pense, va être facile. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Alors. Par contre, il faudra se méfier là. Si je me mets là. Ouais. Oh, j'ai pu me faire toucher quand même. What the fuck? Ah mince, j'aurais pu ne pas la perdre celle-là. Ok. Advance Air Magic. La petite box. Ouh, c'est oui. On se fait ça à ce tour-là. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Marketplace, ça peut être intéressant, mais on va gâcher du bois. Je pense qu'on va plutôt patienter. On est bien, hein? On est bien là dans la partie. On va peut-être pouvoir se tenter un break assez tôt. Faut voir si on arrive à snowball rapidement. J'aimerais bien débloquer cet antre à génie pas trop tard. Je sais pas si c'est jouable si on se fait l'aller-retour là. Alors déjà, on va récupérer ça, clairement. On récupère ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? On récupère ça pour avoir un petit peu plus de gremlins. De gremlins, de gargouilles. Ouais, on va les prendre quand même. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Parce que là, il y a. Enfin, la récompense, elle est géniale, quoi, derrière. Mais le truc, c'est que la box, elle risque de. Enfin, les démons, ils risquent de nous fesser. Eux, on peut se les faire. Il nous faudrait la magie, en fait. Il faudrait la magie. Allez, j'ai la flemme de combattre. Tactics. Yes. Un peu de power. Ok. Là, on peut se prendre les génies. Parfait. Là, on va pouvoir snowball les génies. On est bien. Et ici, de ce côté-là, ça va être quoi le plan d'action? Bah après, ça va être les nagas, je pense. Hein. Guild des mages niveau 1. Faut voir ce qu'on peut faire en deux tours. Hein. Après, on a deux tours. Est-ce qu'on peut viser les géants? Est-ce qu'on peut viser les géants directs là?
10. Donc je pense que c'est bon, hein. On peut viser les géants, donc il nous faut des thunes et des ressources. Donc éventuellement, ça, on peut se le faire plus tard. Ça, tant pis, on snowball pas tout de suite dessus. On se prend ça d'abord, quoi. On se prend ça d'abord, on a les finances. On remonte ici, tac, on va ici. Ensuite, on essaiera de se diriger vers le break ensuite. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Donc là, on risque d'avoir des pertes, mais on a une belle box derrière. Salut, Asylium. J'hésite à faire ce combat. J'hésite à faire ce combat. Ou alors, on va ici. Un peu de la perte de temps, quand même. Il nous manque quoi? En fait, il faut regarder ce qui nous manque. Ici, si on fait le Golden Pavillon. Ensuite, il nous faudrait quoi? 10-10, il nous faut du bois, en fait. C'est pour ça que je veux aller là. Parce que là, on a du bois, là. Là, on a du bois. Je pense qu'on va y aller. Hein. J'ai quoi à récupérer ici? Pas grand-chose. Des génies, vite fait. Des mages, je pense qu'on va quand même les prendre. Ok. Alors, faire ça, 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 ça. On a perdu un génie dans la bataille, mais c'est pas très très grave. Franchement, on est quand même bien là. On est quand même bien. Tac, on prend la box. Bon, ça par contre, c'est pas ouf. Et c'est surtout, on prend le bois quoi. On prend le bois, la scierie. Là, on va hyper vite au prochain tour. Et là, on essaye de prendre les géants. Yes! J'ai en semaine 2, les gars. J'ai en semaine 2, on est bien. Je pense qu'on va prendre un marketplace, ça va nous aider plus tard. On est bien. Là, ça va être des génies ou pages, ou pire. Ouais, bah ouais. Ça, c'est vraiment la mauvaise surprise, je pense, pour cette faction, c'est les golems. Parce que le reste est content, en fait. Le reste est content. Les gremlins, c'est ok, ça te fait des tireurs. Les gargouilles, ça va vite. Enfin, tout est ok, à part les golems, quoi. Après, je dis pas un gros pack de golems, ça fait le taf, mais on va dire que c'est moins efficace en début de partie, quoi. Ça risque d'être le même genre de box. Je sais pas si on a envie d'aller par là. 20-40 nick, ça risque de nous cogner aussi. Ça, on va le prendre assez vite aussi. Kit d'image niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe par là, on se prend la... Alors, attention à mon armée, par contre. Hein. Je vais pas y faire une connerie, là. Tac. Ah, Gold Dragon. Mais on a la Tactics. On a la Tactics, donc c'est oui. Après, c'est chiant parce que... Si
Si on fait ça comme ça là. Tac, tac, tac. Ça me paraît pas mal. Après, ils vont défoncer nos génies. Ils risquent de défoncer nos génies si on fait ça. Ouais, je prends le risque qu'ils défoncent mes génies, c'est pas grave. Ok, ça me va. Ça me va. Ça me convient. Du coup, on va prendre ça tout de suite. On peut pas passer par là. Ok. Plutôt faire ça. C'est chaud. C'est chaud. Regardez bien, il va ruine. Non, tu vois, ça passe pour l'instant. C'était pas loin, c'était pas loin, mais j'y ai pensé. Si tu parles de prendre les trucs dans la mine, j'y ai pensé. Au dernier moment, mais j'y ai pensé. Ça, par contre, c'est un peu ambitieux. Je le concède. Je le concède. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de faire ça, même s'ils sont quand même vachement nombreux là. En fait, ça aurait été bien avec la magie, mais on n'a pas de puits. C'est très relou. Je pense qu'on va aller chercher ça quand même. Expert Art Magic, c'est oui. Merde! Je pensais pouvoir récupérer ma magie là. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oh, putain. Bon, c'était un mauvais calcul, ça. C'est pas grave, on est plutôt bien dans l'ensemble, donc on va s'en sortir. Est-ce qu'on peut pas viser le deuxième Cloud Temple? Je pense que oui, hein. On peut l'avoir dans pas longtemps. Donc let's go. Et après, on va essayer de booster un peu les finances ensuite. Sans magie, trop solide, l'Enix. Ouais, je suis d'accord. Si j'avais eu la magie... C'est pour ça, en fait, je voulais... J'avais un petit peu de stamina, je me suis dit je vais faire des petits trucs et je rentre à la ville, je prends la guilde des mages et je recharge mes points de magie. Mais en fait, j'étais à une case d'y arriver, donc tant pis. Parce que peut-être qu'avec la magie, je l'aurais tenté, hein. Je sais pas. Ouais, ça reste tricky quand même, hein, comme bataille. Parce que même les chiens de l'enfer, là, je pense qu'on se les fait, mais ça peut piquer, hein. Faire attention quand même. Ça peut piquer. En fait, l'avantage, c'est qu'ils ont pas de points de vie. Enfin, pas beaucoup de points de vie, mais... Mais ouais, ça reste dangereux dans l'absolu. Hein. Freeze un tour dans la ville, ça pourrait être bien vu le timer. Ouais, genre, on fait ça, quoi. Puis ensuite, on va par là, on récupère ça, ici. Je pense que t'as raison, on va faire ça. Attends, si je fais ça, là... Ah, j'ai plus beaucoup de... Ouais, on va plutôt faire ça. Bim. Tac, tac. Il nous faut le Cloud Temple au prochain tour. Si possible. Alors, attendez. Il nous manque quoi pour le Cloud Temple? J'ai pas eu le temps de voir. Je crois qu'il nous faut 20 de gemmes. 20 gemmes. Donc, on les aura avant la fin, je pense. Tranquille. Tranquille. Du coup, je suis pas sûr qu'on a envie de claquer ça tout de suite, quoique ça dépense pas la même chose. Ah, il nous faut 20 000 d'or aussi. Il faut 20 000 d'or. Ah, bon, on va les prendre, hein, c'est trop fort. Si on fait ça, c'est que 500. Ah ouais, c'est complètement valable. C'est complètement valable. Donc là, on fait ça. On laisse ça ici. Vitesse 5. Après, ils nous servent pas trop, eux, en vrai. Hein. Je sais pas. Vitesse 5. Je pense qu'on va pas les prendre. On se traîne trop le fion, là, avec ça. Je verrais bien faire ça. Il nous faut de la thune, aussi.
faut de la thune, on fait ça, on revient en arrière et on fait ça ensuite. Pour avoir la thune qui est juste à côté. Ok, allez, c'est parti pour les géants. Ok, magie de la terre. Voilà. On a déjà 23 génies, hein, mine de rien. 1000. Oh, tant pis, on va pas tous les prendre, c'est pas grave. Là, il nous faut des thunes maintenant. Il faut des thunes. D'ailleurs, on aura dû prendre le Town Hall. Bon, il nous faut 3 jours pour faire 20 000. En 3 jours, il faut qu'on fasse 20 000 là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Fais ça, tac tac, là il y a un peu d'or, mais c'est léger. Où est-ce qu'on peut faire de l'or? Sinon on peut faire les donjons là. Hein. Ok. Ah, j'en ai perdu un sur le contre. Putain, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Mutton Hall, tant pis. Tant pis. Je pense que ça va être chaud hein, pour trouver les 20 000 balles. La box Ifrit, ça peut être de l'or. Ah, c'est vrai. En l'absolu, ça pourrait. 80 Gremlins. C'est bien aussi, mais c'est pas ce qu'on cherche. Fight the Guard. Là, du coup, on va pas les prendre de suite. Il nous reste 2 tours. Comment on peut faire là pour faire vraiment beaucoup de thunes? On a un autre truc ici. On a pas trop de donjons à proximité en fait. Sauf s'il y a des trucs là quoi. Je sais pas ce qu'il y a là. Ah bah il y a une mine d'or. Putain, si j'avais su. Bon, après on n'aura pas le temps d'en profiter mais bon. C'est mieux que rien. Non, c'est pas ça. Krakna, il est loin en fait. C'est ça qui est chiant. On a une mine d'or, mais ça va peut-être un peu nous sortir de la mouise, mine de rien, niveau finance. Let's go. Yes, 500 d'XP, Advance Wisdom, clairement. Après les Knicks, ouais, les Knicks sont un petit peu vénères. Hein. Je pense que là on risque de perdre là, si on fait ça. Hein. Tant pis, on va break semaine 4. Hein. On fait un dernier tour des box et des châteaux, puis après on break. Break après. Par contre, ça me fait chier là. J'aurais bien aimé avoir les 20 000, mais je peux pas les avoir. Donc en attendant, on va prendre plutôt le castle. Ah mais si je peux! Ah mais c'est 5 000! Putain mais je suis vraiment débile, j'ai dû regarder le truc pour avoir les titans. Incroyable. L'erreur du joueur français qui s'avère être un truc en sa faveur. Putain mais quel débilos des fois. C'est la bonne surprise. Bah dans notre malheur, on aura trouvé la mine d'or, donc comme ça au moins c'est fait.
Donc ça, clairement, on va les prendre du coup sur le chemin maintenant. Ah, on n'a plus la place. Paf. Ensuite, on repasse ici. Là, faut commencer à se faire les finances. Faut rater les conneries, non? Là, t'as beaucoup de génies à prendre. Ouais, carrément. Carrément. Il y en a 6 de plus ici. On pourrait presque... En fait, rien de presse. On pourrait presque se faire cela avant. Enfin, quitte à break semaine 4, autant prendre le temps de rester un petit peu et prendre les box qui nous intéressent, qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Il en est où, lui? Ah, il a des bonnes stats, quand même. Hein. Je sais pas s'il a break, mais... Number of turn, on est pareil. Ça, ce serait vraiment pas mal de le prendre, effectivement. 45. Clac. Ici. Golden Pavillon, ça c'est vraiment cool. Donc là, clairement, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un petit peu de sous. On va faire ça. Hop, hop, City Hall. Et là, on passe. Hein. Franchement, il n'y a rien de bien intéressant à faire. Je crois pas. Bon, 350, on va pas aller loin avec ça. On tente gagner un peu de timer. En plus, il y a deux box ici qui pourraient être bien, là. Elles sont un peu loin, ça fait chier, mais... Troisième jour. En fait, faut voir en 4 jours, 5 jours, ce qu'on a le temps de faire, là. Faut voir. Sur silo, c'est pour les gemmes. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de ça. On va prendre les tireurs, toujours. On va améliorer cela. Ici, il nous faut le City Hall, donc il nous faut ça. Et ici, ici, je sais pas ce qu'on va prendre. Je pense qu'on va rien prendre pour le moment. Quoique d'avoir ça, c'est peut-être bien. Donc, on va récupérer ça. Pour l'instant, ça fait l'affaire, je pense, comme armée. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Je pense on monte, on se fait les deux box ici, on revient ici, on se fait la magie, on redescend. Il faut voir si on aura le temps de faire ça. Ensuite, on fait un demi-tour, on va ici, on améliore tout et on essaye de break ensuite. Je pense que c'est ça qui va se passer là. Ça, ça se fait vraiment tranquille. Ça, clairement, un peu moins. Après, ça garde des génies et une box. Donc, je pense qu'on a envie de le faire. Hein. Bon, ça va être chaud. Là, c'est vraiment un combat chaud. On va essayer de bien jouer. Alors, déjà, ça. Ensuite... Je peux me faire lui. Parfait. Là, on wait. Bim. Mince, j'ai pas vu qu'il pouvait me toucher. Donc, du coup, on va plutôt faire ça, ça. Ouais, ça c'est bon. Ça, suivi de ça, et c'est bon. Ça passe, les gars. Advanced Leadership, on prend ça, la box. 40 gargouilles, c'est oui. On prend les génies. Fight the guard, oui. Pas de perte, des génies en plus. Euh,
Ok, là c'est pas mal comme opération. On se fait ça. Est-ce qu'on a besoin d'un peu de magie au passage? Non, je pense qu'on n'aura même pas besoin de faire le passage à la ville. On fait ça, on redescend. Je sais pas si je chope ça, mais... Ouais, on va essayer de break avant la fin de la semaine, là, quand même. Ça serait bien. On a un gros pack de gargouilles, là. On commence à avoir un vraiment gros pack, donc on va sûrement les prendre améliorés dans le château principal. Ça, c'est mort. Ah, relou. Relou. De 40, donc normalement c'est censé faire le taf. 27. J'ai combien de points de vie là? Je vais en perdre si je fais ça. Ah, mais je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire malheureusement. Ouais, j'en perds un, mais c'est tant pis. Mais c'est tant pis. Finir en auto. Vas-y, scouting, allez, c'est parti. Les golems. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Vous m'aimez pas, en fait. Ok. Frénésie, c'est pas mal. C'est chaud. C'est chaud. Jour 5, on a le temps là. On a le temps. Tac, tac. On fait juste l'aller-retour, on est bon. Non. Non, non, non. Ça, ici. Ça, ici. Ça, ici. Là, on va la mettre là pour bloquer. Ah, ça, ils ont bien joué. Je m'attendais pas à ça. Ils ont bien joué. 1, 2. Ils m'ont tué mes jeans. Bon, c'est pas très grave. On a un pack de gremlins, les amis. Ouh. Ah ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup, là. Clairement. Clairement, ça valait le coup. Il nous reste ensuite 2 jours. On fait 1. Je pense que ça va aller 1, 2, ça devrait aller 1. Prends la capitale, bien sûr. Et puis voilà. Hein. C'est chaud là. Franchement, ça fait plaisir ce genre de partie. Hein. Ok, donc là, on a beaucoup de choses, mais on pourra pas tout acheter. Sixième jour. On va pas tout acheter. On va prendre le City Hall ici. La question c'est est-ce qu'on peut aller tout de suite break en un tour là? Non, on peut pas. Ah, j'ai pas mis la troupe la plus rapide. J'aurais pu optimiser un peu mieux le tour là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le prochain tour, on pourra pas de toute façon, donc faut y aller tout de suite. Faut y aller tout de suite. Je pense qu'on va continuer à prendre les génies. Il nous aurait fallu plus de thunes que ça, en fait. Hein. Je
Celui-là, pour Neolke, ma carte est vraiment bizarre. Pour les breaks, toi aussi. Perso, ça va. Ah, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Ouf! J'ai plus le temps. Après, est-ce qu'on a envie de break tout de suite, forcément? On a combien? Je peux faire qu'une foudre terrible. Tu veux du temps? Là, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Le problème, c'est que c'est même pas sûr, hein. Parce que là, le truc, c'est que si je fais un demi-tour pour aller chercher ça, est-ce que ça marche encore? Ouais, ça marche. Vous pensez que ça passe là? Je pense que ça passe, mais avec des pertes. Hein. Et le truc, c'est que si on atteint, il sera encore plus le prochain tour. Je pense qu'on va y aller. Hein. Je pense qu'on va y aller, tant pis. Allez, vas-y. Ça passe avec des pertes, on va essayer de faire mieux que ça. Ouh, ça va être très tendu. Ça va être très très tendu là. Faire full défense. Non. Shine Nightling 18. Bim. Déjà, on fait ça. Ensuite, on fait un petit wait. Donc là, on va prendre notre temps, hein, forcément. Combien je peux en tuer? Je peux en tuer 5 comme ça. Après, ils vont me toucher quoi qu'il arrive. Ça pique. Il a résisté. Alors comment est-ce qu'on peut en toucher? Là, je peux faire une petite bénédiction ici. Bim. Là, on est du 4-5, c'est clairement ça qu'on veut faire. Quoique, on peut faire groupir. Hein. Refait un shield là. Ok, honnêtement, on s'en est plutôt bien sorti. On va prendre archerie. Hein. Prendre archerie. Advance magie de la terre. Ouais, c'est bon. Franchement, un break qui se passe plutôt bien. Avec plus de magie, j'aurais pu avoir moins de pertes, mais bon. Honnêtement, c'est plutôt. Je suis plutôt content de moi là. Plutôt content de moi. D'ailleurs, on va prendre ça tout de suite. Ouh, on a un bon collier qui est ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Expert magie de la terre, c'est oui. La question maintenant, c'est est-ce qu'on avance dans le biome ou est-ce qu'on revient en arrière? Je pense que là, on va prendre ça. Je pense qu'on va au moins se faire une journée là. Putain, c'est trop chiant, j'avance lentement. Ça me fait chier de faire des allers-retours pour rien là. Ça, est-ce qu'on peut se le choper ça ou pas? Ouais, elles sont beaucoup trop nombreuses.
10-19 Behemoth. Je pense que ça vaut vraiment le coup, mais avec les points de magie, quoi. Avec les points de magie, on va faire demi-tour. Ah, mais on peut faire le... Je suis trop bête. Pas pensé que c'était un... À fin des tours simultanés. On peut faire un... Comment? Un Mana Vortex. Ah, mais il faut guilder mage niveau 1. J'aurais dû faire ça, en fait. Bon, c'est pas grave, on va faire ça en deux tours. Ici, on prend la guilde des mages niveau 1. Ça me permet pendant ce temps-là, de l'autre côté, d'investir ici. Là, je vais prendre la citadelle. Ici, on se récupère à nouveau des petits magots. Paf. Ça, de toute façon, on a d'autres à faire pour le moment. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Ouais, non, ça va être trop chaud. Ça va être trop chaud. On va passer notre tour. Qu'est-ce qu'il nous manque ensuite pour la suite? Il nous manque beaucoup de gemmes et de la thune. La thune, c'est bon, mais les gemmes, ce serait bien qu'on ait un autre appris, une autre mine quelque part pour en choper plus. Il fait super chaud chez moi. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais je suis en train de suer, les amis. Attendez, je pense que je vais mettre le ventilo, j'arrive. Yes! Bon, c'est cool, fin des tours 6, on va pouvoir prendre le temps un peu de discuter. J'étais un peu focus dans la partie, j'avais le timer assez short. Bon, j'espère que vous, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie-là? Vous pensez que c'est notre avantage? Qu'est-ce qu'il a, lui, de son côté? Il a un bon héros, je pense qu'il a break. Pour autant, je pense que c'est pas perdu. Hein. Je pense que c'est vraiment pas perdu. On est devant sur pas mal de choses. Bah, je suis pas sûr qu'il ait break parce que Number of Town, il est derrière. Donc je pense qu'il faut qu'on se serve de cette avance pour vraiment bah, continuer à en avoir. Et typiquement, je pense que ce genre de box là, ça peut nous aider. Ça, c'est vraiment prenable. Hein. C'est vraiment, vraiment prenable, surtout avec ce qu'on a là. Donc ici, ouais, il nous faut de la thune et il nous faut des gemmes. Donc, je pense que les ressources silo, là, on va les prendre des deux côtés. Ici, du coup, ce qu'on fait, c'est que... Ah mince, j'ai pas pris les génies améliorés, trop con. Trop con. C'est ça que j'aurais dû faire, en fait. Là, on prend ça. Prend ça. En fait, là, il nous faut Tone Portal pour maintenant pour avancer dans la partie. Et du coup, on va se passer là. On va doubler notre mana. Ah là, on peut plus, on n'a pas la... Faire ça. Ding. Qu'est-ce qu'on peut prendre à côté? Quoique, est-ce qu'on peut tout de suite y aller ou pas? Enfin, on peut y aller direct, donc allons-y. Hein. On peut faire mieux que ça. Les magots, ils font vraiment rien. Ok, ça passe. Qu'est-ce qu'on a dans cette box? Ah, on a ça aussi là. Ça fait beaucoup de génie quand même. Ça aurait été vraiment bien de le prendre, mais bon, c'est 50 unicorns, ça va nous casser le popotin.
Le dragon rouge, il fait peur aussi, ouais, clairement. Bah, ça dépend à quel point il les a stackés, ouais. Alors, l'avantage, c'est qu'on a, on stocke les géants, nous, de notre côté, depuis assez tôt. Donc, on en est déjà 9, hein, donc 9 potentiels titans. Faut juste qu'on trouve le moyen de les faire. Accessoirement, quand on aura Tone Portal, on pourra revenir ici. Il y a une Utopia, enfin, on peut faire vraiment plein de trucs ici. Mais là, si je fais le retour à pied, ça va être trop long, donc on va faire ça tout à l'heure. Oh là là. Mais quel enfer à chaque fois de choper ça là. Allez, salut. Ça se fait clairement. Expert leadership, là on prend ça. Plus les bloqueurs, ils sont pas très sympas pour nous. Est-ce qu'on va pouvoir choper les gemmes à temps? Parce que là, si on regarde, on gagne combien? On gagne 1 plus les 2 gemmes supplémentaires parce qu'on a les silos. Ça fait 3 gemmes par jour. Donc il nous faut 3 tours. Normalement, c'est bon, il nous faut juste la thune. Juste la thune ensuite. Et la thune, maintenant, on gagne beaucoup. Donc on gagne 10 000 par tour. Normalement, il n'y a pas de problème. Seul truc qui m'emmerde là, c'est qu'on est un peu bloqué. Il y a les ailes d'ange qui sont là. Je sais pas, ça vaudrait pas le coup d'attaquer ici. Hein. En plus, c'est pas désamélioré. Franchement, c'est tentant. Hein. Ça nous permettrait d'aller hyper vite dans le désert. 68, on peut faire pas mal de foudre terrible en plus. Je pense que il va nous. Il va potentiellement nous faire mal ce combat, mais il va aussi nous faire gagner du temps. Et à mon avis, on va plutôt faire ça. Là. Ah! Ouh, il y a plein de choses ici. Par contre, c'est hyper bien gardé, mais. Pff, tome de terre, ouais, plein de choses. Plein de choses. Là, on fait ça. Et ici, bah, y a plus qu'à attendre les. On peut prendre le castle en attendant. Je sais pas si c'est très malin. 10 000, ouais, si, y a le temps. Il y a le temps de prendre le castle. Ouf. Il y a une cuirasse aussi là. Je sais pas comment les garder, mais ça peut être intéressant. Pour l'instant, un peu déçu par les box forcément qu'on a trouvé là-dedans. Ça, en vérité, le Golden Bow, ça pourrait nous faire décoller, quoi. Ça pourrait vraiment nous faire décoller. Ce Golden Bow avec tous les tireurs qu'on a là. Fait mal, hein. Puis on a bientôt l'archerie. Plus la défense ici. Je pense que. Est-ce qu'on a vision? Je crois pas. On n'a pas vision. Non, parce que là, on n'a pas de stats, on n'a pas de défense là. Il faut absolument ça. Là.
C'est quoi le plus urgent? Vous pensez que c'est quoi le plus urgent? C'est de taper les génies pour avoir ça? Je pense que c'est presque ça le plus urgent en fait. Hein. Parce que là, on évolue enfin en stats. On gagne une amélioration des archers qui va être vraiment sans commune mesure. Et on pourra tout à fait aller ici ensuite. Ou alors on va là, on prend les ailes d'ange et du coup ça nous fait gagner du temps en y allant en diagonale ici là. Le seul truc c'est que les deux fights vont me nécessiter de faire de la magie. Et je peux pas en faire non plus tant que ça. 50, je peux faire trois fois le sort. Enfin sauf si maintenant il coûte moins cher. Voilà, je peux faire trois fois le sort. Je crois qu'il pique un peu plus quand même. Hein. Ah mais les ailes d'ange, là, ouais. J'hésite vraiment entre les deux, honnêtement. Les deux, il faut qu'on prenne les deux, c'est sûr. Mais je sais pas quel est le plus malin à prioriser entre les deux. En plus, c'est 50,99. Si on a 99, on est mal hein, quand même. On est mal. Je pense qu'on va prendre ça. Ça me semble plus important en fait pour la suite pour l'instant. Et après, on descendra. Ah! Si on peut passer par là. On peut passer par là. Bon, 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 j'espère que je fais le bon choix. Très honnêtement, je ne sais pas. Tour prochain, on peut se l'acheter. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Ici, on peut se prendre ça au passage. Ça aussi. Et voilà, hein. Ça paraît bien, marketplace, c'est toujours le bienvenu. Ça, on pourra peut-être le tenter aussi, pour essayer de se faire des génies supplémentaires. Il y a 9 génies qui dorment, 2 ici, plus d'autres dans les maisons, là. 3 génies, 3 génies, 3 génies. On peut encore continuer à en faire. Ah, il nous faut de la défense, là. Et même ça, hein, franchement, même ça me tente grave, mais bon. Le truc, c'est qu'on est fort, mais on n'a pas non plus une puissance de frappe de dingue, donc je sens que ça va nous découper, ça. Alors que les génies, ça me fait moins peur, en fait. Ils sont rapides, mais ils ont pas de points de vie. Et là, c'est des normales ou c'est des... Ouais, c'est des normales. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il avance bien dans la partie hein. Avec Meteor Shower là il va bien nous casser les genoux. Je sais pas si ça existe dans ce template les sorts Protection from Fire ou Protection from Earth. Parce que si c'est le cas et qu'on trouve un Protection from Earth, on pourrait peut-être se protéger de son de Summiter Shower. Alors.
Allez, c'est parti. Ça pique. Ça pique. Alors. Il va pas me toucher pour autant. C'est cool. Je pense que les mages, on va limite les suicider. Ok. Let's go. Là, si on fait ça. Ok. Comme prévu. Ici. Enfin, wait. Aïe! Ouais, donc c'est bien ce que j'ai dit. On va les perdre. Bim. 15, 13, 15. Le 18, il va jouer après. Ouais. Aïe. Donc on a perdu des trucs, mais n'empêche que je pense que ça valait le coup. La Golden Bow et surtout de la défense. Là on n'a plus rien à faire de toute façon. Et là on se prend les titans. Ah ouais, et avec les titans on risque vraiment d'avancer dans la map. Ça c'est cool. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, parce que là, il y a ça aussi, hein. Ça qui déboîte là. Hein. Pareil, on va avoir des pertes, mais je pense que ça les vaut. Hein. Parce que là, on va gagner à nouveau de la défense, on va gagner un plus 10. Enfin, c'est de la folie si on passe par là. Il faut absolument que je pense à mettre l'armure, par contre. Par contre, on n'a plus de quoi tanker. Hein. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros, gros problème. Faut pas qu'on perde nos gremlins. Là, honnêtement, je pense que ça se tente. Hein. On se gagne du savoir, là. De la défense à nouveau. Un plus 2 partout. Ah non, mais c'est carrément valable. Hein. C'est dangereux à nouveau, hein, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. On a deux sorts. On peut balancer nos deux sorts coup sur coup. Après, ce qui est emmerdant, c'est... je pense qu'il nous dépasse en vitesse. Donc, en fait, le sort... on pourra pas vraiment le lancer, quoi. Enfin, ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Ah ouais, non, mais là, faut qu'on chope tout ça. Là. Et même celui-là. Hein. Ça, c'est un plus 4 partout, je crois. Ah ouais, là, maintenant, ils sont plus d'une vingtaine. Donc là, c'est plus la même limonade. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 50-99. Là déjà ce qu'on fait c'est qu'on fait ça clairement. Alors ça c'est quoi? Non, c'est power, d'accord, c'est le power en plus. Ah, ça va pas être la même limonade. À chaque fois je me dis que Milias elle est en train de dormir, mais en fait non, elle est au taquet sur la détection de la limonade. Incroyable. Bien, ouais, Milias. Ok. J'hésite à faire l'aller-retour, hein. Franchement, on risque de perdre du temps, mais... Par contre, on aurait dû faire ça tout à l'heure. Ah, j'ai été con. Clairement, on aurait gagné des génies. J'ai été idiot. Passer à toi. La limonade me réveille toujours. Ouais, désolé. Bah, en fait, c'est un peu... je suis un peu désolé pour vous quand je fais des stream heroes, surtout... sur ce type de map où ça va très vite. Au début, je suis hyper focus et j'ai vachement de mal à animer le stream. Salut Tintamar, bienvenue par là.
Ça fait plaisir de voir du Virostroa. Bah écoute, il y en a régulièrement par ici, donc n'hésite pas à faire un tour. On est plusieurs à en streamer en vérité, hein, mais c'est des toutes petites chaînes. Des toutes petites chaînes. Du coup, t'es un fan de Heroes? Mince, après la bagarre? C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu bafouilles, cher capitaine? J'étais AFK pour manger, mais t'as pas raté la bagarre, t'as juste raté le break, mais rien de grave. Et du coup, merci infiniment pour le follow, Tatamar, j'espère que tu te plairas dans le coin. Donc ici, juste pour t'expliquer, on fait souvent du Heroes 3, forcément, parce que c'est vraiment un jeu de cœur. Mais je fais également du jeu solo, du jeu indé et rétro la plupart du temps. Donc tu es le bienvenu à nouveau. Et puis un Discord aussi, si jamais ça t'intéresse. Donc là, je suis toujours dans l'hésitation de est-ce que je fais demi-tour ou pas. On va perdre du temps en faisant demi-tour. Et en même temps, en fait, il faudrait savoir où est-ce qu'il est le bougon. C'est-à-dire que là, on a parole des vents et tout, hein. Je pense que je vais faire un petit view air pour savoir où il est, pour prendre un peu la température. Et en fonction de ça, on prendra une décision ici. Parce qu'en fait, ouais. Si on avait Tone Portal, ce serait hyper facile, mais on l'a pas. Et on prend des risques en continuant à avancer, tant qu'on l'a pas. Après, oui, le break. Mais le break, c'était des nicks améliorés, et ça va, on s'en est plutôt bien sorti. Quelques petites pertes, mais rien des stacks qui étaient précieuses pour nous. Qui étaient précieux, pardon, pour nous. Donc ça s'est plutôt bien passé, c'est juste que là, je commence à être un peu essoufflé par le désert, tu vois. Genre, j'ai augmenté mes stats, certes, mais on n'a pas non plus une armée qui est incroyable. Elle repose surtout sur les Gremlins, donc si jamais on l'affronte, on perd, clairement. On ne veut pas se retrouver contre lui, là. Et donc, je suis en train d'essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on veut optimiser tout de suite. J'ai repéré ça qu'il faudrait qu'on chope, mais... Je pense que c'est un peu vénère vu ce qu'il y a ici. Donc, pareil pour les archidiables. Derrière, il y a franchement les deux artefacts là plus à libérer. Je pense qu'il faut absolument se faire ça. Mais avec mon armée actuelle, c'est très très risqué. Alors qu'il y a plein de choses qui dorment dans les deux châteaux. Donc l'idée, ce serait d'y retourner un coup. Et le problème, c'est que pour y aller, bah, ça va nous dépenser énormément de temps. C'est online, ouais, c'est online, attends, ça marche. Je joue contre un pote qui s'appelle Barba GG, un pote que j'ai découvert en live-ant, hein, en faisant des lives sur Heroes. Et on a des... En fait, c'est à force, là, on finit par se connaître les uns les autres, et en fait, t'as pas mal de petits streamers sur Heroes, français. Et donc, du coup, ouais, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le coin et qu'il crée des maps, mais ça fait pas très longtemps qu'il joue avec nous, parce qu'il avait peur d'avoir un petit niveau, mais au final, il s'en sort très très bien. Alors on va faire un view air. Je peux pas le caster. Si. Tac. Air. Il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. Il est chez lui en fait. Il est chez lui. Donc ça vaut peut-être le coup de pousser, hein. Ça va peut-être le coup de pousser. Ou alors, vu qu'il est en retard, sinon on prend le temps de faire l'aller-retour. Vu qu'il est en retard, on met combien de temps? On met que 2 jours pour y aller, hein. Je pense qu'on va faire ça, franchement. 2 jours, c'est que dalle. Et après, on pourra rouler sur le désert ensuite, donc let's go. Vraiment, let's go. Pas trop se poser de questions là-dessus. Golden Pavillon, on va le vouloir à un moment donné. Est-ce qu'on le veut où? On le veut plutôt ici. Essayer de gagner un peu de timer. Contre Barba GG, ouais. Contre l'ami Barba GG. Qui s'amusait à créer pas mal de maps sur lesquelles on a joué aussi avec d'autres. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, allez, j'aimerais bien faire une partie contre vous. Et voilà quoi. Et il s'est lancé.
Du coup, on est sur du. Alors, je sais pas si tu connais ce mode-là, Tintamarre, mais on est sur une version du jeu qui s'appelle Horn of the Abyss. Je sais pas si tu connais. Parce que moi, quand j'ai redécouvert le jeu, parce que je suis un vieux joueur de Heroes 3, mais je l'ai redécouvert là il y a un an et demi. Et j'ai vu que tout le monde jouait à ce mode-là. Et au début, je ne connaissais point. Donc, si tu ne connais pas, n'hésite pas, je t'expliquerai ce que c'est. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en revenant là, on peut peut-être se permettre de. Bah, de faire l'Utopia, de prendre ça là. On peut peut-être faire tout ça hein, au passage. Là, on en prend 6. Parce que de toute façon, les magots, on les cumule pas assez pour que ce soit intéressant. Je pense que je vais plus les prendre. Là, on a un autre truc ici de génie. On a une Utopia. Ouais, je sais pas si. En fait, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller tout de suite. Il y a aussi le truc des géants ici qu'on n'a jamais pris. C'est dommage. En plus, c'était vraiment pas bien gardé. Ça, c'est peut-être une erreur de ma part. Hein. Pas l'avoir pris tout de suite. Donc, on va prendre ça. On prend quoi en priorité? On prend ça. Clairement les génies, enfin les jeans avec ah est-ce qu'on prend les nagas? Les nagas ça nous coûterait combien? 11 000. Ouais mais les géants on peut les transformer en titans donc on va plutôt prendre ça. Les nagas on les reprendra plus tard si on a le pognon mais pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tac. Je pense qu'on va passer notre tour. Ouais, j'ai eu la même réflexion que toi, Captain Concombre, qui nous dit qu'il faudrait peut-être passer d'abord par la ville non upgrade. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce qu'effectivement, du coup, j'ai mis tous les bâtiments upgradés. Enfin, ouais, c'est ça, les bâtiments des troupes upgradées ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les troupes qui m'intéressent là. Et ensuite, je suis passé vers l'autre pour les améliorer d'un coup. Alors j'ai choisi de pas prendre les gargouilles, je sais pas si c'est très judicieux, on en a perdu 22, mais j'aurais pas assez de pognon pour tout acheter, donc je préfère mettre ce pognon dans autre chose. Donc la question c'est une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se recasse? On break ailleurs? Parce qu'on peut break là, mais bon les archanges ils vont nous dégommer notre tête. Ou on fait ça, on peut redoubler la mana en passant là. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On prend les troupes, on repart, double la mana. Faut penser à prendre cela aussi, sur le chemin. Après, on pourrait se tenter l'Utopia. Hein. Est-ce que c'est pas le moment de se tenter l'Utopia? Parce qu'en fait, si on réussit à faire l'Utopia, je pense que là, on va vraiment être devant. Je pense que les gargouilles, tu peux les virer parce que t'as le combo Titan, Lutin, Génie. Ouais, je suis d'accord. Par contre, on n'a rien de tanky, donc c'est pour ça que je voulais plus compter sur les Nagas améliorés que les gargouilles pour tanker, qui sont beaucoup plus résistantes. En plus de ça, j'adore cette unité. Enfin, c'est une unité qui n'a pas de contre, en fait. Donc ça, c'est hyper puissant. Et c'est une des rares unités du jeu qui n'a pas de fourchette de dégâts. C'est-à-dire que dans le jeu, normalement, quand vous attaquez avec une troupe, il va y avoir une fourchette, par exemple, de 3 à 6. Et il y a un aléatoire qui se fait à chaque coup. Et là, en fait, les nagas, c'est tout le temps la même valeur. Donc c'est vraiment. Ça, c'est pareil. Je trouve qu'elle a beaucoup d'avantages, hein, cette unité. Ça va vite, c'est résistant. Il n'y a pas de contre, ça fait du dommage, c'est du dommage sûr. Beaucoup, beaucoup d'avantages. Le seul truc, c'est qu'elles sont très chères. Mais c'est un peu fumé. Hein. Moi, je trouve c'est un peu fumé. Parce que là, ouais, si je veux acheter ça, c'est 1600 l'unité. Hein. Donc j'ai même pas les moyens là de tout acheter.
C'est pour ça que je me dis, si on arrive... Salut l'Acadie, ça va? C'est pour ça que je me dis, si on arrive à faire l'Utopia ici, on se retrouve avec énormément de thunes et on peut acheter le reste de notre armée. Et là, on lui roule dessus. Hein. Franchement, j'ai envie de tout miser là-dessus. Hein. J'ai envie de tout miser là-dessus. Let's go. Ah non! Et c'est l'erreur du joueur français. Oh là là, putain, ça c'est vraiment une erreur à chaque fois que je fais. C'est inadmissible. Inadmissible. Là, vous avez le droit de me tirer les oreilles, là. À force de parler, là, il se déconcentre et fait n'importe quoi. Je pense qu'on va rien faire d'autre. Ah voilà, c'est vraiment... C'est pas grave, t'as de l'avance. Ouais, je pense qu'on est bien, en vrai. Je pense qu'on est bien, t'as raison. Bon, alors, allez. Ensuite, ce sera Utopia. Je sais pas ce que vous pensez de ce plan d'action, mais... Vu qu'on a de l'armée qui dort depuis le début de la partie, et que là, ça va nous faire un boost de blé d'un coup, je pense qu'on a aucune raison de stresser et d'avancer trop vite dans le désert. Hein. Bah, si j'avais trouvé Tone Portal très vite, j'aurais continué et j'aurais pas eu besoin de faire cet aller-retour, mais vu que c'est pas le cas, on est obligé de composer avec et de viser cette Utopia, c'est quand même bien. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on risque de perdre beaucoup de Gremlins dans l'opération. J'hésite carrément à ne pas les prendre, en fait, les Gremlins, pour le combat. T'as de l'avance, c'est ok, ouais, je suis d'accord. Mais faut que j'arrête de faire cette bêtise, hein. Faudrait qu'en début de match... Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là là là... Quoi, c'est une chanson? Je l'ai pas. Je l'ai pas. L'instant culture musicale. Ouais, je me doute que c'est une chanson, mais je l'ai pas. C'est qui? Ok. Après, on aura énormément de gargouilles si on fait ça, alors que là, on en achète combien? 17. Donc là, déjà, on fait ça. Ouh, ça pique! Ah, ça pique. 4 titans. Là, il nous faut quoi? 15 000 et 5 gemmes, on a plus de gemmes. Est-ce qu'on a pris... Non, on n'a pas pris le marché partout. Le marché, on l'a pas pris là. Et là, est-ce qu'on l'a pris? Oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça va être un peu léger. Hein. Ça va être un peu léger. 1600. Donc là, déjà, on a un pack de génie de la mort. Et maintenant, il nous faut des gemmes. Maintenant, il nous faut des gemmes. Tac. Mille. Est-ce qu'on peut en améliorer encore un? Yes. Je pense qu'on va prendre ça. De quoi tanker là un peu. Si je fais ça là, ça le fait, non? Ça. Là, je récupère mes points de magie. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller là. Je risque de pas y arriver dans le bon nombre de tours après, c'est le problème. Yes. Sorcellerie. Yes, c'est bon. On a le bon nombre de tours. Merde, par contre, je peux pas acheter ça. Ok, c'est la loose. Et bah, j'ai envie de dire tant pis. Mais par contre, on prend ça. Jean-Patrick Capdeveil, apparemment. Ah, mais je vois même pas qui c'est. Je sais pas c'est qui. Et voilà, tu nous fais deviner des chansons et tu sais pas qui est l'artiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ça manque de professionnalisme tout ça.
10 sur 10 au blind test. D'ailleurs, est-ce que... parce que c'est passé vraiment sous le radar, mais vous avez pas vu que je vous ai arnaqué depuis... je vous ai arnaqué depuis... un mois et demi, deux mois, facilement. J'avais promis quelque chose que je n'ai jamais... que je n'ai jamais fait. Mais ça me va, moi, hein, si on oublie. Hein. C'est comme les politiciens, en fait. Ils font des promesses, et après, les gens, ils oublient, et ça passe, quoi. Ah, mais j'ai aucun mérite, je suis allé chercher sur Wikipédia. Mais c'est qui ce gars-là? Il a fait un... C'est quoi cette chanson? C'est genre un tube de l'été? Je sais même pas ce que c'est. Hein. Donc là, on prend ça, on aura une défense supplémentaire ici, et ensuite on se fait l'Utopia en espérant que ce soit OK. C'est sûr, tu connais, Winnie. Mais alors, attends. Soit, en étant honnête, Millie, est-ce que quand elle a... Quand Jacadie, elle a mis les paroles de la chanson, tu l'as eu en tête tout de suite? Ou c'est en cherchant que tu l'as eu en tête? Parce que moi, là, je l'ai pas, quoi. C'est comme Patrick Hernandez, il a sorti une chanson il y a 40 ans, il dit toujours... Ah oui, mais Patrick Hernandez, je vois, c'est Born to be Alive. Mais alors là, je l'ai pas, quoi. Celui-là, vraiment, j'avoue. Ah, bien joué, Jacques a dit un test sur Heroes. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais promis un quiz sur Heroes que je n'ai jamais fait. Que je n'ai jamais fait. La question directe, par contre. Oui, la chanson directe, mais le nom, je l'avais pas. D'accord. Bah, beaucoup coup de balèze. Hein. Faudra qu'on se fasse une petite session, session blind test, là. Bon, moi j'ai encore un peu de taf, salut, je reverrai. La Rodi, ça marche, très très bonne soirée à toi et bon courage pour le taf, capitaine. À bientôt. Voilà, culture partielle aussi. Mais je pense que on se fera plus un... Ouais. Je suis en train de préparer plusieurs quiz, je sais pas si ça va prendre en fait. J'ai peur que ça fasse un gros pétard mouillé, parce qu'on n'est pas très nombreux sur la chaîne. Donc... Mais bon, je me dis que ça vaut le coup d'essayer, ça peut être marrant. Même si on est 3-4, il y a moins de se marrer, quoi. Alors, voyons voir. Donc, ici. On prend l'armée. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller chercher ça? Ça améliorerait nos géants. Ça nous ralentit encore un petit peu, mais... Je pense qu'on va le faire. Ok. Alors, on a plus de place. Yes. Alors, eux, on va clairement pas se les fight. Par contre, on va aller là. Et là, on va avoir un peu de visibilité. Ça se trouve, ça va nous montrer un peu où il est. Yes, let's go. Et bah, on passe. Hein. Et oui, on va se marrer, c'est ça l'important. Bah, ouais, carrément. Carrément. Ah, je sais pas, vous avez des idées de quiz là, de thématiques un peu? Parce qu'au début, je voulais faire, pour fêter bientôt, ce sera l'anniversaire de la chaîne. Hein. Ça va bientôt faire un an que j'ai ouvert cette chaîne. Je voulais faire peut-être un petit quiz anniversaire sur ce qui s'est passé et tout, ça peut être marrant. Mais après, en vérité, moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire, organiser des petits quiz à la con comme ça. Donc on pourrait faire ça sur d'autres thématiques. Hein. Sur Heroes, je finirai par le faire, c'est sûr. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'aurais bien aimé que Gears soit dans le coin pour qu'on puisse le faire ensemble. Ça aurait été plus sympa. Enfin, je sais pas. J'ai envie un peu de lui rendre cet hommage. Moi, je me suis remis à Heroes grâce à Gears. J'ai un peu repris goût grâce à Gears. Et du coup, je me verrais pas faire ça tout seul dans mon coin sans lui. C'est juste qu'en ce moment, il est sous les radars, là. Et j'arrive pas trop à le contacter. J'espère que ça va pour lui. C'est pour ça, en fait, pour être honnête, que j'ai mis de côté ce quiz.
cette déclaration. Non, mais faut dire les choses, tu vois. Enfin, moi, si j'avais pas de redécouvert ces streams et tout, je me serais jamais mis à stream ça. Hein. J'ai de la visite, ça marche. Très bonne soirée à toi, Emily, profite bien. Alors, où est-ce qu'il en est de son côté? Si on fait G, là. Ouf. Ah, il a des stats de la mort. Donc là, faut pas trop traîner, en vérité. Hein. Je pense... Ah, putain, mais l'Utopia, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. On va quand même se faire ça, prendre le bouclier et retourner en arrière, mais... je sais pas s'il y a du pass-finding ici. Je pense qu'on peut passer là. Ah, j'avais pas pensé que c'était de l'autre côté. Merde. En vrai, j'ai la dalle de ouf, moi. Bah vas-y, let's go, hein. M'attends pas. Hein. Number of Town, il est devant, hein. Donc, ça se trouve... Alors, je sais pas si on le voit dans le coin, mais... Je sais pas si on le voit dans le coin... Oh, c'est pour ça, je pense qu'il nous faut l'Utopia, là. Un truc que je trouve assez frustrant dans cette partie, c'est qu'on est très lent. On a un héros qui est très lent. Qui a pas... ouais, qui a pas logistique. Et je trouve que ça se voit. Hein. Ça se voit. Mago, c'est ça se prend, hein. Franchement ça se prend. On va faire ça, ici on va prendre ça. Bim, hop, on passe notre tour. Est-ce qu'on veut acheter quelque chose pour avoir plus de génération de monstres? Pas forcément besoin. Hein. Pas forcément besoin. Je pense qu'on va s'enchaîner ça. Une fois qu'on revient dans le désert, là, on s'enchaîne ce combat, puis celui-là, puis celui-là. Et là, après, on dégomme tout, là. Et comme tout, on aura des stats de ouf. Faut espérer avoir des bons artefacts et des bons objets aussi dans l'Utopia. J'espère qu'on va, on va pas tout perdre. Ça devrait aller, je pense, parce qu'on a un bon stock de génie quand même. Donc on risque de faire très très mal. Mais bon, sait-on jamais, hein. À part la foudre terrible, on n'a pas grand-chose. Ok. Allez. Donc là, c'est parti. Tac, tac. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Mage Force keep the prisoner captured. C'est ok ça, non? Si je fais ça là. Bon, j'ai tué mon géant, mais c'est pas très grave. C'est celui qu'on venait de récupérer.
Bon, franchement, c'est ok, hein. Les pertes sont vraiment ok. On a 12 enchanteurs, ça c'est oui. Ok, 2400. Ouais, ça se fait. C'est parti. Ouf, on perd quasiment tous nos gremlins par contre. C'est eux qui perdent en premier. 8, on les tue quasiment. 3. Ok. Et ben voilà! Ah, Angel Wings, tome de terre, tome de... Oh, c'est franchement... c'est reparti, là. On est dans la partie. Qu'est-ce qu'il y a? Trop content. Franchement, là, ça va relancer notre partie. On peut choper ça, ça. On remonte. On va chercher l'armée et on avance dans le désert. On prend tout ça. On avance. On est bien. On est bien. Trop cool. Trop, trop cool. Tome de terre, clairement. Ça va nous faire du bien. Ah ouais, et puis en plus, on a eu beaucoup de sous. Ouais, ça c'est excellent. C'est excellent ce qui vient de se passer là. Avec 7 titans supplémentaires, on a 3 qui dorment. On va peut-être prendre ça quand même. Ouais, c'est très très cool là ce qui vient de se passer. Et du coup, après on peut rejoindre en plus cette partie là sans avoir à faire tout le détour en passant avec les Angel Wings là. Donc là, la suite c'est. On monte. Je sais même pas si on prend le temps de faire ça. Hein. Je pense que c'est du temps perdu. Quoi qu'il y a une box juste là. Je sais pas si c'est beaucoup. Je pense qu'on perd du temps là si on fait ces trucs là. Ça c'était bien au début, mais là c'est là on perd du temps. Hein. Et les Angel Wings, du coup, ça nous fait aller où? Ça nous fait tracer là. On rentre en 2 tours. En passant là peut-être en un seul tour. On a un petit power aussi là qu'on n'a pas pris. On a combien de power maintenant? On a 14 de power, c'est pas ouf hein, par rapport à ses stats. Il a vraiment des grosses stats là. Il serait temps de le rattraper au niveau stats. Donc là, ouais, clairement, on récupère notre armée, on avance par ici là. On se fait tout ça là. Tout ça là. Puis ça, puis ça. Mais non, mais on n'a même pas besoin de faire ça parce qu'on a déjà les ailes d'ange. Après, on avance. Il nous faudrait une arme aussi, on n'a pas d'arme. Ça serait bien de choper un truc là, un trident ou je sais pas quoi. Et du coup maintenant quoi. Ah merde, on a tonne portal avec avec le tome de terre. On a tonne portal. Donc là on a même plus besoin de s'embêter avec ça. Où on fait ces deux trucs là, tac tac. On prend les génies, on prend la box, on fait tonne portal. Jusqu'ici. Puis jusqu'ici, on a combien de points de magie? On a 58. Un portal, ça nous coûte très combien? Il faut que je regarde combien ça nous coûte. On peut faire ça, on récupère les troupes, ensuite on va là, on les améliore, on paye ce qu'il faut pour les améliorer, et ensuite on se re-téléporte ici pour faire un mana vortex, comme ça on double notre mana, et après on se fait ces deux objectifs-là. Et en plus, ça va pas prendre tant de temps que ça. Je pense qu'en 3 tours, on arrive à faire tout ça. Et ça, faudrait qu'on arrive à le faire avant qu'il arrive. Éventuellement, ce serait cool. Ce serait super. Je vais faire une mini-pause, je reviens. À tout de suite.
Oui, de retour. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui, il est là. Il est là. Donc clairement, on va faire super attention à ce qu'on fait. Je pense que nous, on veut choper ça avant de l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a énormément de dragons. Ça risque d'être ça le plus dur à tuer. Ok, alors. Donc là, on n'a pas le temps de niaiser dans ce coin-là. Bon, déjà, on va se rééquiper. On va prendre ça avec nous. Water Damage Spell, je ne sais pas si on a très besoin de prendre ça. On va prendre le tome d'eau. Tone Portal, on va se téléporter. Se téléporter ici. Tac. On prend ça. Ça, on s'en fout. Pif paf. On va laisser ça au bercail. Mince, j'ai pas eu le temps. Putain, mais ça se trouve, on va perdre là-dessus, là. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps. Franchement, je serais deg si c'est ça. Comment ça se fait que j'ai eu très peu de temps là? C'est hyper chelou. Attends, j'ai pas l'impression d'avoir fait tant de trucs que ça. Ah ouais, là, franchement, si je perds là-dessus, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après, c'est surtout ces dragons, le reste c'est ok, mais c'est surtout ces dragons qui sont dangereux. Ah, il choisit de rester là-dedans. Ah non, il s'est cassé. Je pense qu'il s'est téléporté ailleurs. Ouais. On va prendre les nagas. On va se faire grave plaisir là. Clairement, on va prendre les nagas. Les magos, je pense qu'on va les laisser, hein. Je suis pas sûr que ça serve tant que ça. Je préfère avoir les enchanteurs que les magos, moi. J'en ai que 24. J'en ai combien dans l'autre? J'en ai pas. Donc je pense qu'on va pas les prendre, les magos. Ouais. Je pense que l'idée, ça va être d'aller par ici, là, et de prendre ça en essayant de ne pas se faire capter. J'espère que ça va marcher, mon histoire. Je suis pas sûr qu'il ait les ailes d'ange, parce qu'il y en a déjà deux sur la map. Ça semblerait fou qu'il y en ait un troisième artefact comme ça. Ah! Il est en train de récupérer toute son armée avant d'attaquer. Ah, mais ça se trouve, il va nous attaquer dans ce tour-là. Ah non. Allez, 1 minute. Tu gères. 59, eux, on s'en fout. Tac. Tac. Par contre, ça, on s'en fout pas. Merde. Allez, vas-y, tu joues vite, s'il te plaît. Tac, eux on s'en fout. On prend ça. Paf. Donc ici on veut prendre ça. On peut améliorer ça. Ok, on va améliorer ça aussi. 8 secondes, on veut prendre ça.
Full trade. On prend ça. Je sais pas s'il va nous attaquer là. On a plus de chances de défendre là-dedans avec ça. Après, on n'a pas du tout de stats. Donc je pense qu'à mon avis, il a plus de chances de gagner qu'autre chose. Là, notre chance, ce serait d'arriver à faire ça, là, de faire ce truc-là. En loose dé, d'aller chercher un peu des stats ici. Ah, c'est lui qui le fait. Ah, il a juste ses dragons, là. Et toute son armée, ici. Hyper étonnant. Attends, quoi? Il a fait une connerie, là, non? Attends, je comprends pas ce qu'il a fait là. Si je fais ça sur l'autre. Pour moi, il a fait une grosse connerie là. C'est-à-dire que là, je fais ça. Et j'attaque, en fait. Ah non, il a pas son armée là-dedans. D'accord. Et donc, en fait, il a pas fait de connerie. Il a pas fait de conneries. En fait, je vais peut-être retourner de l'autre côté. Ah, j'hésite. Je pense que je vais retourner de l'autre côté et je vais essayer de passer comme ça en loose dé là. J'essaie de passer en loose dé pour récupérer ça. Hein. Ce serait vraiment bien. Si on récupère tout ça là, je pense qu'on peut l'emporter. Parce que si c'est pas le cas, à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Après, Dimmer, c'est pas dit qu'il est tactique avec Dimmer. Donc si on a déjà la tactique, ça peut vraiment nous aider. Ah, c'est ça que je redoutais. Ça que je redoutais. Ouais, donc là, par contre, il va nous devancer. Là. Il va clairement nous devancer. Ah, je m'en veux. Je m'en veux parce que si ça se trouve, tout à l'heure, on pouvait le faire, ça. Et du coup, on n'a pas de puissance. On n'a pas de puissance de feu, là. Ouais. C'est un peu la loose quand même. Ouais, là, franchement, il va nous éclater là. Il doit avoir des stats de ouf. Ah, voilà. Ouais, donc là, clairement, ça devient compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Je sais pas trop comment on peut se la jouer. Le double mana et se mettre là. Il est trop à l'avance au stat en fait. Faut essayer de choper d'autres trucs en fait. Si on se fait les azures là. Est-ce que ça garde? De toute façon, maintenant, faut tenter des trucs. Hein. Faut tenter des trucs. On va pas y arriver sinon. On va les mettre devant. Paf.
Ok, alors. On tue 0, mais on en touche 2 ici. Dis-moi que la boxe valait le coup là. Dis-moi que la boxe valait le coup. Je pense que sinon, en fait, on est obligé de tenter des trucs de ouf comme ça si on peut pas gagner. Mais trop à la bourre. Trop à la bourre. Faut espérer que ça en valait la chandelle. Où est-ce qu'il est au final? Il est reparti? S'il est reparti, ce qui peut être pas mal, c'est lui piquer le village. C'est-à-dire qu'on se téléporte ici, on lui pique le village. Et du coup, il pourra mettre un temps avant de revenir. Ça nous laissera le temps de récupérer ses petites stats ici. Ce serait mieux que rien. J'espère vraiment qu'il va pas nous cramer là en bas. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en chopant les artefacts qu'il a chopé là, il est pas forcément, il a pas forcément monté plus en stade, donc il devait déjà avoir des trucs similaires. Ça, c'est ouf comme on n'a pas de défense quand on prend Solmire, c'est un délire. Si t'as pas d'artefact, t'es à poil quoi. Complètement à poil. Est-ce qu'il reste des choses dans les... Ouais, il nous reste des trucs ici, hein. Ok, allez, vas-y, dis-moi que c'est un truc de ouf. C'est des sorts. Bon, il y a forcément des sorts qu'on n'avait pas, mais très décevant quand même. Tu erres. Il est où? Je le vois pas. Ah, ici, il est là. Et là, donc, il est quand même assez loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est... on va faire ça. On va prendre ça. On va essayer d'améliorer... Ça, pif. Et là, est-ce qu'on peut y aller? Non, on peut pas. On peut pas. Bordel. Chier. Ça fait chier. Bon. Ça fait clairement chier, bah du coup on va se planquer de l'autre côté là. Ça on s'en fout les gars, on s'en fout ça là. Ah c'est relou, c'est relou, c'était à un point près là. Parce que là ça aurait été mortel, on aurait doublé notre mana, on aurait pu avancer là, on le mettait loin. Et maintenant, il va pouvoir se re-téléporter près du village. C'est relou.
Ah, puis il est en train de devenir invincible. Je pense qu'en fait, quand j'ai dit que j'étais en avance, je pense que j'étais pas si en avance que ça. Hein, parce qu'il a quand même énormément de dragons, il a énormément de stats. C'est, à mon avis, là où j'ai fait une erreur dans la partie, c'est le moment où on a break et qu'on était bien dans le désert. J'ai hésité à faire des choses avant de continuer. Et à mon avis, c'était plus valable de continuer. Parce qu'on a mis énormément de temps à faire l'aller-retour. Alors, qu'est-ce qu'il fait, hein? Où est-ce qu'il est? Il est là. D'accord. Donc ici, je vais faire ça. Fais ça. On améliore ça. Tant pis, on va faire les strats du pauvre. Hein. Là, on récupère ça. Ah, j'ai pas vu qu'il avait un groupe de 64 là. Bon, après, ça va aller vite, hein. Ok. Et là, est-ce que j'ai doublé ma mana? Même pas, hein, parce qu'il avait dû l'utiliser juste avant. Mais on est jour 7. Faut espérer que ça nous aide. Ça, c'est défense 6. C'est clairement ça qu'il faut qu'on chope. Hein. On chope ça, puis ça. Je sais pas s'il va être en mesure de nous toucher ce tour-là. Hein. En fait, le truc, c'est que nous, on veut faire durer la partie et lui, c'est l'inverse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la ville pour qu'il puisse pas tout de suite m'attaquer. Et encore, c'est pas sûr, comme ça, il est loin, il peut pas se TP dedans. Mais ça nous donne, je pense, qu'une seule journée de répit. Hein. Ce serait pas mal, c'est de choper ça, parce que ici, on a des stats en plus, et on a le collier d'agilité qui nous améliore la vitesse de nos troupes, ce qui va aussi potentiellement nous donner l'avantage. Je suis même pas sûr, parce que je crois que les dragons noirs vont quand même être plus rapides que nous. Speed 11, je sais pas combien on a speed 11 avec les deux, je sais pas combien les dragons noirs ils ont de speed. En tout cas, ça fera pas de mal d'avoir plus de vitesse, même si on les dépasse pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi? Tactics. Je sais pas si ça vaut le coup, de toute façon. À la limite, enfin, expert sorcellerie, ce serait bien de l'avoir aussi. Qu'est-ce qu'on a comme sort? On peut jouer full défense. On a Meteor Shower, mais bon, on va pas lui faire très très mal avec ça. Lui, par contre, il va nous déglinguer avec les sorts. Ok, donc là, tac. Attendez. Ok, donc là, j'ai doublé ma mana. Je fais un taunt portal ici. J'achète de nouveau des titans. J'améliore ça. Paf. Ah, je sais pas, 2-4-2, est-ce qu'il gagne au centre? Je sais pas. Je sais pas.
Je pense qu'il gagne dans tous les cas, hein. Honnêtement. Expert Wisdom. Je pense dans tous les cas il gagne. Il n'y a pas d'embrouille. Parce que là, de toute façon, on n'a pas le temps de. Je sais même pas si. Je crois pas avoir Didi. Non, j'ai pas Didi, donc je peux pas aller plus vite que la musique. Je peux pas aller chercher le village central. J'essaie de négocier avec lui parce que c'est dommage de s'arrêter comme ça, en mode ok, il a gagné, il a la ville en 2-4-2, c'est dommage. Je me souvenais pas du tout de cette règle-là sur JO. Ah, il est là. Là, je pense qu'il a pas. Ah, voilà. Ok. En plus, c'est lui qui a la tactics. Sympa. On va se faire botter le train, les amis. On va se faire botter le train. Ouais, là ça va être sale, hein. 41 dragons. Bon. Bon, ces dragons, les 41 dragons, là, je vois pas ce qu'on peut faire contre ça. Hein. Clairement. Ça nous défonce n'importe quelle unité là. Il va attaquer forcément les titans, je pense. Ouais, voilà. N'importe laquelle. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? 22. En plus, il résiste vraiment énormément. 39. Ils vont attaquer direct. Ouais, on est mort à tous les coups. Hein. Il a beaucoup trop de stats. Regardez ses points de magie, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Aucune chance. Aucune chance.
126, en plus on lui fait quasiment rien quoi. Tac tac tac. Ah, je vois pas ce qu'on peut faire. Je vois pas ce qu'on peut faire là en l'état. J'en tue. Enfin, tu 0 ou 1, vous voulez faire quoi contre ça? Pour rien faire. Peut-être réduire ça un petit peu. Ok. Ça c'est mieux à faire. Et encore, on se fait déboîter par les méduses, hein, mais c'est le GG. Hein. Ouais, ma vision du truc, c'est qu'on était bien dans la partie et j'ai très mal joué en sortie de break. En fait, c'est très dur ce jeu parce que... En fait, c'est toujours pareil. C'est soit vous prenez trop de risques et vous prenez le risque de mourir et de faire une partie courte. Soit vous jouez plus secure et ça avance pas assez et vous trouvez le juste milieu entre les deux. Pour l'instant, j'ai vachement de mal à trouver le juste milieu. Je commence à avoir de l'expérience pour break. Vite avoir une gestion de du premier biome, etc. Mais une fois que je suis dans le désert, je suis pas à l'aise en fait. Je suis vraiment pas à l'aise. J'ai vachement de mal à... J'ai vachement de mal à comment... À prioriser en fait. J'ai vachement de mal à prioriser. Et du coup, je fais beaucoup d'aller-retour, je perds beaucoup de temps. Je pense que c'est ça qu'il faut que je me... Là où il faut que je m'améliore. Il faut que je fasse du training full désert en fait. Faudrait que je reprenne cette partie-là et que je vois avec le même... au moment où on a break, un peu quelques jours après on a break, qu'on voit ce qu'on peut faire, si on peut pas améliorer cette partie. Parce que franchement, en fait, on avait une armée qui était pas dégueu, mais qui était limite pour le désert. C'est ça qui m'a fait peur et qui m'a fait revenir en arrière. Mais dans l'absolu, peut-être que c'était quand même possible d'avancer. Bien joué Barba, bien joué Barba. Franchement c'était complètement legit, t'étais largement au-dessus. J'ai fait durer parce que forcément j'ai vu tes stats étaient énormes. Ce que j'étais en train de dire c'est que moi je pense que j'ai foiré le post-break en fait. Le break était bien, j'ai break plutôt tôt, on avait beaucoup de génies, enfin il y avait plein de trucs qui étaient bien. Énormément de gremlins aussi. J'avais de l'armée qui dormait dans mon château donc il me manquait plus que de faire de la thune. Le désert tu as chié, ouais j'ai complètement chié mon désert ouais. Ouais, non, mais c'est souvent ça, en plus. C'est ce que je disais, c'est que je suis assez déçu de moi, parce que je sens que je m'améliore, tu vois, je sens que je prends les réflexes, mais par contre, le désert, je perds mes moyens, j'ai du mal à prioriser les trucs, parce qu'en fait, c'est des types de fights que j'ai pas l'habitude d'avoir, tu vois, avec énormément de troupes, très fortes, et du coup, je me dis à chaque fois, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je vais perdre la moitié de mon armée, et est-ce que ça vaut le coup d'attaquer. Et en fait, je fais souvent des mauvais choix. Je fais souvent des mauvais choix. Et là, clairement, je suis revenu en arrière en me disant, allez, je vais snowball sur l'Utopia. Ça n'a pas été dégueu, hein. Ça m'a vraiment permis d'avoir des titans et tout. Mais en fait, je suis resté quasiment au même niveau stats. Donc, j'ai pas pu t'inquiéter. Là, ce qui me manquait, c'était des stats, en fait. En vrai, t'avais un pack de dragons noirs qui était vénère, mais déjà, avec des meilleures stats, j'avais plus de chances de m'en sortir. Ouais, on en reparle sur Discord tout à l'heure. Bon, et bah les amis, merci d'avoir été là. J'espère qu'on va se remettre à gagner, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné sur la chaîne, ça va pas du tout. Hein. Comme j'ai dit, hein, j'ai très envie de continuer à faire du training. Mon niveau est ce qu'il est, j'apprends encore plein de trucs, je fais beaucoup d'erreurs. Voilà, je suis pas un PGM. Hein. Le but, c'est de vous partager mes parties à mon niveau et d'essayer de m'améliorer petit à petit.
N'empêche que je suis un peu salé d'enchaîner les défaites. Même si je vois qu'il y a des apprentissages, etc., j'ai quand même bien envie de vous montrer du spectacle quand même de temps en temps. Donc je vais pas lâcher l'affaire, voilà, tout simplement. Et du coup, sur YouTube, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao, ciao.